Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi qui a bien voulu venir avec moi. J'ai dit Fifi, tu montes avec maman faire une vidéo. Elle est montée tout de suite. Hein maman? T'es montée avec maman pour dire bonjour aux copines. Alors aujourd'hui, unboxing. Ça faisait déjà un petit moment que je devais la faire et je n'avais pas encore trouvé le temps. Je suis désolée pour la boutique. Alors, la boutique, c'est Life Scrap, voilà, Life Scrap, j'espère que je prononce bien, mais comme d'habitude, je vous remets le nom ici en bas de l'écran. Alors, c'est une boutique, alors c'est pas du diamond painting, c'est pas de la broderie, voilà, c'est, comme vous aurez pu un peu comprendre, c'est du scrap, de la carterie, principalement. Voilà. Fifi, elle regarde si ça l'intéresse. Donc, je vais vous présenter principalement des dies et ça y est, j'ai déjà oublié. Un dossier, un classeur de gaufrage. Voilà, comme ça. Oh oui, ma Fifi, elle a chaud. Maman aussi, elle a chaud. Ça se voit à la tête. De toute façon, j'ai chaud. Alors, je vais peut-être commencer par le gaufrage. Hop. Je vais le déballer. Oui, oh oui, oh oui. Tu veux le voir avant tout le monde? Voilà. Un mur, tout simple. Voilà, j'en voulais déjà un, j'en avais déjà vu et puis je me disais, bon, j'en voulais. J'en avais pas encore trouvé, c'est chose faite. Donc, voilà, un petit mur. Ici, donc vous pouvez le passer en positif ou en négatif, hein, les gaufrages, c'est comme ça. Alors, il mesure, je vais vous donner dire ça. Non, si je regarde en inch, moi les inch, je ne suis pas copine avec. Un peu plus de 14,5 sur, en complet, hein, je vous le dis, hein, sur 10,5. Voilà. Voilà, donc complet. Donc, c'est pour faire. Donc, c'est pas pour les cartes 15-15. Enfin, moins que vous pouvez faire sur les cartes 15. Les cartes 15-15, excusez-moi, ça se bouscule à la sortie. Et bien sûr, si vous faites une feuille en plus que vous recollez sur votre carte 15-15. Oui, non, mais il fait chaud, il fait chaud. Je ne sais plus parler. Voilà. Donc, le classeur de gaufrage. Ensuite, les dies que j'ai choisis. Il y en avait de très jolies. Bon, le choix était difficile. Alors, je vais ouvrir les paquets parce que dans les plastiques, ça reflète trop sur le téléphone. Et après, on ne voit pas bien. Alors, je vous ferai une petite vidéo à la fin de cette présentation. Pour faire déjà une carte et je vous ferai d'autres cartes avec d'autres vidéos. Voilà, ici, alors attendez, hop, ce sera mieux. Différentes fenêtres, voilà, donc une arrondie, deux rectangulaires. Alors vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre une fenêtre avec le classeur de gaufrage derrière. J'aime beaucoup l'arrondi. Je ne vais pas les remettre dans les plastiques, de toute façon, ça ne sert à rien. Ensuite, un cercle dentelle. Voilà.
Très joli. Je vais mourir dans ma pièce. Autant l'hiver ici, on caille, autant l'été, on meurt. Un lot de petites feuilles. Donc là, les feuilles, ben, on pourra les faire pour l'été, pour l'automne, pour le printemps, les passer dans toutes les couleurs. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Enfin, je les aime tous, hein. C'est pour ça que je les ai choisis, de toute façon. Alors, dans quel sens? Dans ce sens-là. Une envolée d'oiseau. Voilà. Avec une plume. Alors, l'envolée d'oiseau, elle mesure 17 cm de haut. Et en plus, bon, vous pouvez faire donc en négatif, voilà, et mettre un papier de couleur derrière, voilà, et récupérer tous les petits oiseaux, puis les coller à part sur votre papier. Et c'est pareil, je vous ferai une carte pour vous montrer. Très joli. Celle-ci. Oh là 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 là. Un peu plus classique. Un encadrement fleuri. Très joli aussi. Donc ça, ça mesure 14 cm. Alors, la plus grande largeur va prendre sur 10 cm. Donc sur une carte normale, toute simple, ça passe. Voilà. Très beau aussi, hein. Et le dernier, ben oui, c'est déjà terminé sur la présentation. Et puis avec la chaleur, ça colle, hein, les emballages. C'est pour ça, vous voyez, je vous dis, les emballages sont morts. Hein. On va dire un soleil. Voilà. Avec toutes les découpes. Donc là, c'est pareil. On va pouvoir faire soit changer les couleurs ici, ou faire tout pareil, toute la même couleur, ou ici une couleur et là une autre. Là, on va pouvoir jouer sur nos papiers comme on le souhaite. Donc voilà les dies que j'ai choisis chez Lifecraft, pardon, désolée, je prononce mal. Je vous ai pas donné la mesure des fenêtres. Alors, la ronde, elle fait 12 sur 7, celle-ci. Là, un peu plus 9 sur 6 pour celle-ci. Là, c'est 9 aussi, hein. 9,5, pardon. 9,5 sur un peu plus de 4,5. Voilà, pour celle-là. Voilà, j'avais oublié de vous donner les mesures. Je crois que je vous ai donné... Ah, ben non, ça, je ne vous ai pas donné... Je crois que je ne vous ai pas donné la mesure. 14...
Pas sur 10 pour celui-là, pour le soleil. 14 sur 10. Du coup, je remesure tout. Parce que je ne sais plus ce que je vous ai donné. Et le rond dentelle, c'est 8 cm de diamètre. Voilà. Bon, ça, c'est... Là, je ne vous donne pas la mesure. Hein, vous voyez, par rapport à mon doigt, les feuilles. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite vidéo ici, juste à la suite, avec tout au moins une carte déjà, pour vous montrer ce que je peux faire avec. Oui, ma fifi, elle me fait des câlins. On fait des bisous à maman. Et je vous referai donc d'autres vidéos. Hey non, là, c'est pas un câlin. Dis, pourquoi tu mords maman? Là, c'est pas un câlin du tout. Et je sais que ça veut dire je t'aime, mais bon. C'est un gros je t'aime. Chippy. Pourquoi t'as mordu maman? Du coup, elle m'a coupé, je ne sais plus. Oui, et donc, je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres cartes, avec les découpes de dice. Voilà. Et encore toutes mes excuses à la boutique pour avoir pris du temps pour faire cette vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Si vous ne voulez pas regarder la suite, mais bon, ce serait dommage que vous ne voyiez pas la construction de la carte. La vidéo n'est pas très longue, juste après, donc vous pouvez regarder. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je remercie encore une fois la boutique LifeCraft. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens nécessaires en barre d'infos pour retrouver tous les produits et le lien de la boutique. Voilà. Et il y a des codes promo. Voilà. Donc, n'oubliez pas. N'hésitez pas à y aller et à utiliser les codes promo pour faire des commandes. Voilà. Si ça vous intéresse, moi, je vous force pas. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement. Bon visionnage pour la suite. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.